Voici la présentation du poste CRE 8900. Il s'agit d'un poste HF 10 mètres qui peut être évidemment basculé également sur la bande 11 mètres, 10 mètres, c'est-à-dire la CB ou la bande radiomateur. Il est présenté dans cet emballage avec un mode d'emploi donc en anglais et en français bien sûr. Voici. L'appareil se présente comme ceci. Il s'agit d'un poste AM/FM BLU, donc tout mode. Et affichage de canal, affichage de la fréquence. Il se branche sur 12 volts avec une prise 3 broches assez classique, prise haut-parleur extérieur, une prise data qui permet éventuellement de le programmer par PC, et la prise d'antenne ici classique type PL. Et une prise pour brancher même un manipulateur Morse, le cas échéant. Voici, donc dans l'emballage vous trouverez également le micro, le fil d'alimentation. Voici le micro avec des touches fonction, le câblage étant 6 broches. Il se branche sur le devant de l'appareil. Ici, en façade, et c'est une prise verrouillable. Voici donc le cordon d'alimentation, qui est un 3 broches standard. Vous avez également la visserie, le support micro, et le berceau métallique de fixation pour l'appareil. Il s'alimente donc en 12 volts à l'arrière de l'appareil. Voici comme ceci. Le poste s'allume sur la face avant, ici, avec le réglage du squelch et le réglage du volume. L'affichage est donc fréquence ou canal, enfin fréquence et canal. Voilà. Vous avez un réglage de tonalité. Vous avez une chambre d'écho intégrée, vous avez le réglage de micro-gain et de RF power, c'est-à-dire de la puissance d'émission. Le décalage ici, qui sert également de clarifieur, dans le mode BLU SSB. Le sélecteur de mode AM/FM USB LSB, CW. Le sélecteur de bande, qui permet donc d'installer 6 bandes de 40 canaux, des touches fonction, Roger Beep commutable, filtre antiparasite, décalage plus ou moins 10 kg, scan des fréquences, double veille, affichage de différentes couleurs possibles. Voilà, il est également très compact. Vous voyez un radiateur à l'arrière car il a une puissance de sortie d'environ 25 watts en BLU et 10 à 15 watts en AM/FM. Et le format, par contre, est assez compact, voire très compact. Et les dimensions ici sont normes DIN autoradio, donc très facilement encastrable dans un véhicule. Voilà, donc il s'agit d'un poste très performant, très compact, très complet pour faire de la longue distance et avec tout l'équipement
qui permet d'exploiter au mieux les conditions de propagation sur ces bandes de fréquences. Voilà, nous le présentons sur notre site internet gotechnique.com. Vous le retrouverez dans le catalogue.